Benoît, mon fils, le bonnet de la famille. Es-tu en forme pour demain? Le docteur Pepper t'a-t-il stabilisé avec ton cocktail de cachet quotidien? Si j'ai fait venir votre frère, c'est pas pour rien. Demain, on part en randonnée avec des amis. À l'arrivée, je vous présenterai ma nouvelle femme. Et c'est une randonneuse alors? En plus, votre mère sera là, avec votre beau-père. Amélie, toi, tu vas repartir vivre chez eux. Mais papa! Y a pas de mais, papa. Demain matin, lever à 6h. Au milieu de la nuit? Si tu t'amusais pas sur ton ordinateur jusqu'à 2h du matin, tu pourrais te lever. Mais papa, c'est les vacances. Attends, mais là, t'es sérieux? Oui, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu crois que c'est comme ça? Tu vas trouver un vrai travail? Ah, ben je vois que vous êtes tous là. 6h du matin, ça n'a pas été trop dur? Oui. Vous êtes arrivés? On va vous distribuer une carte, chacun. C'est vrai. Si jamais vous vous perdez, on sait jamais. Donc c'est un petit peu jeu. Ah bah une pour deux, vous, ça suffit. Hein. On est ensemble. Tiens, boussole. Alors, tu restes avec tes soeurs, toi. Hein. Et puis bon, bah, vous la médecine, là. Hein. Docteur Pepper, prenez soin de lui, hein. Qu'il arrive au bout. Hein. Bon, on y va? Allez, bah, oh, allez. Allez, maintenant, c'est allez, hein. Il faut y aller. Hein. On y va? Tu l'aimes bien, mon papa? Tu sais, moi, mon beau-père, il est méchant avec moi. Mais toi, tu seras gentil. Ses filles déjà fatiguées après 3 km. Alice a jeté sa carte, sa boussole, elle fait la maligne. Elle croit qu'elle va s'en sortir avec son GPS. Elle n'a qu'à se débrouiller toute seule, ça lui apprendra à vivre. T'as fait qu'un selfie, c'est t'as vu le résultat? Bon, mais toi, heureusement que tu vas pas être avec moi pour ta crise d'adolescence. Bon, ma Lily. Va me chercher ta sœur, faut qu'elle reste avec vous. Et d'accord. Toi, tu restes là, j'ai à te parler. Occupé d'un légume comme lui, j'ai d'autres ambitions. Je peux pas faire ça toute ma vie. En plus, ce taré, il a un vrai problème. Il est irrécupérable. On parle pas comme ça des malades. Pas comme ça, parle pas comme ça. Mais non. Attends, regarde-le. Oh merde. Bon. Il est où ce con? Bon, le taré, hein.
t'as pas vu ma sœur Marie-Alice? Non, je ne l'ai pas vue, désolée. Reste avec nous. Alors, avec Julien? Quoi? Mais il t'a fait ça à toi? Attends, je vais lui régler son problème, Asko. Hein. T'inquiète pas. Ah, mais je le croise. Marie-Alice! Viens, on t'attend. Papa m'a demandé de venir te chercher. Ouais, et là? Ouais, faut que je te laisse, là. Ouais, famille de blaireaux que j'ai, là. Je ne laisserai jamais tranquille, de toute façon. Ouais, allez, bisous. Faut que tu sais, toi, hein. Tu ferais exactement tout ce que papa, il te demande. Franchement, j'ai hâte que tu retournes chez maman. J'ai perdu. Qu'est-ce que je fais, moi? Vas-y, là, toi. Amélie! Eugénie! Marie-Lucie! Elle est avec nous! On est là, nous! On s'en fout! Il y a qui chasse ici! Papa, il est toujours là derrière nous, tout le temps à nous surveiller, toujours à regarder ce qu'on fait. Et quand on a une minute sans lui, tu le cherches, mais t'es débile ou quoi? Non mais ça va la râleuse, jamais tu t'arrêtes de l'ouvrir, tu te crois tout permise ou quoi? Le jour où j'aurai besoin de toi, je viendrai te faire sonner. Mais c'est moi qui vais te faire sonner la sale brune. Ah mais la blonde, tu t'es vue en plus? T'as été adoptée, t'es pas de la famille. Moi je suis adoptée? Ben oui, toi, arrêtez, si j'étais votre mère, ça ne se passerait pas comme ça. Vous croyez que c'est avec elle qu'il va se marier? Poisson? Vas-y, va jouer avec les poissons. On a quartier libre, vas-y. Pour moi aussi, ça va être quartier libre. De quoi? Mon GPS il m'a lâché. Je sais pas où on est là, on est perdu là, on est perdu. Déstresse. J'ai la carte. Ouh. Alors. 500 euros là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, le bassin par là-bas. Donc faut qu'on aille là-bas en fait. Moi j'ai envie de faire pipi. Vas-y là. Tu me rejoins après en fait. D'accord. Ça va. Loin.
Ça fait un moment que je suis là, moi. Et tes trois copines, François? Quelles trois copines? J'ai grandi dans la forêt et la colline. Tous les dimanches, on fait pareil. Elles viennent chercher leur voiture le lendemain matin. Elles rentrent chez elles, et puis bon, bah, à pied, bah, elles ont les cartes, il n'y a pas aucun problème. Ah ouais. Donc, quoi, vous avez peur qu'il soit arrivé quelque chose? Non, non. Mais papa, c'était laquelle de belle-mère? Quelle belle-mère? Celle que tu devais nous présenter. Ah ben, c'est justement. Mais elle n'est pas venue avec nous. Vous voyez, justement, la voilà. Voici Sophia. Bonjour, bonjour Sophie. Bonjour. Voilà, je vous présente. Donc, enchantée. Le mariage est prévu pour dans 15 jours. Vous êtes tous invités. Oh, même génial. Toi, mon ex-femme. Oh. Et les enfants, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Papa, viens. Ne me fais plus jamais ça. Ça m'évitera de faire des bêtises. Quelles bêtises? Qu'est-ce que je vais me dire?